Le restaurant chez Henri, c'est plus de 50 ans d'histoire dans Joliette. Reflet du dynamisme de la région, chez Henri n'a cessé d'agrandir ses murs depuis sa création. C'est en 1957, sur la place du marché de Joliette, que la première version de chez Henri a vu le jour. Simple cantine, c'est à l'époque des roulottes à patates frites. Et elle a fait la joie des promeneurs et des visiteurs du centre-ville et a permis d'établir la réputation, maintenant sans égale, des fameuses frites de chez Henri. C'est sûr que c'est un peu à l'envers parce qu'il y a eu tellement de travail, cette patate à déjeuner, que c'est pas impeccable là, ce matin. Là. Mais c'est 24 heures aussi. Hein. Fait que, mais, c'est presque toujours parfait. Oui, parce que depuis le temps que c'est ici, ça fait tellement d'années, c'est encore comme là, parce qu'on entretient. C'est ça le secret aussi, hein, la qualité, prix, propreté. 53 ans qu'on est là, c'est pas pour rien. Ah, là, c'est sûr que... Il y a presque rien. Des fois, quand vous arrivez le mardi matin, le mardi, là, c'est fou. La caisse de liqueur, il y en a pas plus jusque là. Parce que, c'est... Ouais. Le mardi, rentre le stock, puis le mardi, le mercredi, puis le vendredi matin. C'est là qu'il rentre la marchandise. Ça, c'est le pain. Là, j'ai la liqueur. Ça, c'est un autre congélateur, parce qu'en haut, j'en ai un après la chambre froide. Un autre congélateur avec les pâtes à pizza qu'on fait nous-mêmes. Là. Il va y boucher à peu près 80 chaudières. Ça a commencé en 60. C'était la petite roulotte seulement. Après ça, il y a eu un petit Henri, un deuxième, puis un troisième. Il y a eu trois agrandissements. Parce qu'avant, quand le premier était ici au centre, on a agrandi comme tout le temps parce que le premier contacteur avait dit qu'il n'osait pas aller plus creux, il n'avait pas qu'avec de l'eau. Mais finalement, quand on a agrandi plus, on a creusé plus. C'est pour ça que ici, c'est moins haut que l'autre côté. Ben c'est ça. Fait que c'est tout est classé dans le fond parce que c'est ça. Puis on améliore à chaque année, tout le temps. C'était comme la liste des restaurants Joliette, puis l'Henri, il est juste une petite coche au-dessus comme ça. Mais moi, je dirais parce que c'est de quoi qui est parti jusqu'au résultat qui est maintenant, c'est-à-dire le plus gros resto de pain, je dirais, de Lanaudière. Fait que donc, si c'est ouvert depuis 50 ans, c'est parce que le monde a amplifié ça, puis parce que la poutine est bonne. La poutine est bonne, le reste est très bon. Fait que, là aussi, il y a les serveuses qui sont très bonnes ici. Hein? On a des serveuses, non? Des belles serveuses. Des belles serveuses.